pista. Je te le montre ou pas? Tu es prêt? Eh oui, un gaufrier, ok? Alors tu sais quoi? Tu crois que je vais te faire une bonne petite recette de gaufres et tout? Non mais tu n'as pas compris. Oh, j'ai des abonnés derrière. D'ailleurs, on est 770. Allô? Oui? Oh, à tous les abonnés, tu croyais que quoi? Que j'allais faire une recette de gaufres au sucre? Non mais oh, pour de bon? Écoute-moi bien, tu sais ce que je vais te faire? Gaufres salées. On va mettre la gaufre à la patate douce. On va mettre du saumon, de l'avocat, on va remplir les petits trous de guacamole. On va se régaler, frérot, ok? On y est. Alors, 3 citrons verts, ok? Là, on va faire la marinade pour le saumon. 1, 2, 3, 4 brins de ciboulette. Une demi-échalote. On va prendre une demi-oignon. Ensuite, on va mettre une pincée d'anis vert, ok? On va mettre du piment doux. En fait, j'ai du piment doux et du piment doux, mais d'Espagne, tu vois ou pas? La famille, on va prendre le piment d'Espagne, tu vois ou pas? Alors, je vais t'expliquer. On va prélever le jus des citrons, ok? Il est là. Ça, je te fais les marinades dedans, une tuerie. Voilà, il est là mon plat marinade. Hop. Comme ça, on y est direct. Ensuite, quand tu as pressé tes citrons, on va mettre 3 cuillères d'huile d'olive. 1, 2 et 3. Je te jure, il y en a, ils mettent que de l'huile d'olive, il y en a que du citron. Y en a... Moi, je mets les deux, moi. Voilà. Une pincée d'anis. Voilà, une pincée, regarde. Ça, ça parfume. Ouais, deux, allez. Ciboulette, les quatre, tu vas me les couper. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire des fines tranches. Voilà. Et regarde bien. Hop, tu les détaches. On coupe pas. Et tu les jettes comme ça. Moi, je kiffe quand tu as les petits morceaux là, d'échalotes. Tu captes ou pas? Voilà. Même pas besoin de couper en plus. Je pense que tu as compris le fonctionnement. Là, on est bien. Et on va mettre aussi un peu d'oignon. Ah, la marinade, ça rigole pas. Piment doux, un petit peu. Ganch. Voilà. Tu vois ou pas? Ça suffira. Là, déjà, frérot. Mais regarde. On est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le saumon. Et là, on va enlever la peau du saumon. Alors, simple. Tu fais une petite entaille ici. Capte pas. Voilà. Et après, tu vas glisser dessous. Hop. Tu l'attrapes là. Et tu glisses dessous, frérot. Et voilà. Tu ganches? Parfait. Voilà, fait de cette taille. Hein. Ensuite, tu vas prendre ton avocat. On va le couper en deux. Magnifique, il est bien mûr celui-là. Hop. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre une partie, la moitié pour le guacamole. Et l'autre, on va le mettre avec le saumon. Magnifique. Coq à bateau. Alors là, petit cube. Donc, on en est là. Je me remets tout ça. Hein. Et là, encore 2 cuillères d'huile d'olive.
on va filmer ça et on va le mettre au frigo. Le mettre là-dedans. Quand je dis un guacamole, c'est une sorte de guacamole, hein, amigo. Là, tu l'as écrasé. Tu me coupes le demi-oignon qui te reste là. Et on va mettre une pointe de piment encore. Tu as toujours compris que je ne fais pas compliqué. Franchement, j'ai une recette de guacamole. Tu tombes par terre. Mais il faudrait faire une vidéo dessus, tu vois. Là, je te fais ça basique et simple. Pour que, voilà, ta fille de 10 ans, ton fils, il le voie et il puisse le refaire. Tu captes? Voilà. Hop. Là, filet d'huile d'olive. Hop. Un brin de citron vert. Un filet. Voilà. C'est tout gros. Piment, hop, sel. Et on est beau. Allez. Ensuite, on va s'occuper des gaufres. Là, je mets ça, c'est un peu sale. On va faire... on va pas faire beaucoup. Hein. Je vais essayer d'en faire pour 4 gaufres. Voilà. On va prendre 220 g de patates douces. On va couper ça. On va les faire cuire une demi-heure dans de l'eau. Et là, on arrive, on met les patates dans l'eau. Hein? A few moments later. Bon, frérot, comme on dit, les patates sont cuites. Les patates là-dedans, dans le mixeur, ok? Là, pour bien faire le travail, tu sais ce qu'on va faire? On va envoyer le lait, frérot. Une tasse de lait. Fais voir si j'arrive. On va séparer le blanc des jaunes. On va envoyer les jaunes dedans. Les blancs, on va les monter en neige. Un jaune. Tu connais, hein, quand tu as du blanc sur les mèvres, c'est un truc de fou. Voilà. Beurre, on va le faire fondre un petit peu. Voilà, on y est. On met ça dedans. Impeccable. Pour un coup, mon plat en alu là. Je vais te mettre ça dedans. La farine là dedans. 120 grammes. Par contre, pour ceux qui regardent pour la première fois la recette, franchement, je mets les ingrédients en bas de la vidéo, ok? Voilà. Des fois même, je les présente dans la recette. Mais des fois, je rajoute des choses. Alors, il faut que tu regardes la vidéo, en fait, hein, jusqu'au bout. Et là, Bobby. On va monter les blancs en neige et on va les incorporer doucement dedans. Et après, on y va, frérot. Branche le gaufrier. Zer, quand c'est vert, c'est bon, il y a écrit. Voilà. On le fait ou pas? Ouais, on le fait. Et voilà. Ok? Et là, eh ben, on incorpore les blancs en neige. Doucement. Ça, c'est pour donner de l'onctuosité à la pâte. Et franchement, ne zappez pas cette phase parce que ça lui donne de l'onctuosité, je te le certifie. On va envoyer les gaufres. Je vais un peu le badigeonner d'huile là. Voilà. Question que ça accroche pas. Des fois, tu sais, c'est comme les crêpes, la première, ça accroche un peu, donc on va éviter. Bon, apparemment, c'est vert.
Bon, il faut vite te faire. Voilà, on va t'écraser ça maintenant. Et on est bon. On va attendre 2-3 minutes. A few moments later. En direct live. Et je crois que c'est bon. Mais comme c'est beau ça, frère. Oh là là. C'est une tuerie en fait. Oh. Mais c'est une tuerie, gamin. Oh, que c'est chaud. Oh, cette odeur. On en voit. Compris. Là, là et là. Tu vois ou pas? Ça, on va le mettre dans les trous de là. Et ça, dessus, un peu de ciboulette. Gaufre, patate douce, ceviche. Petit guacamole maison. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? On y est. Alors, regarde. Gaufre, patate douce. Tu es prêt? On se met les petits brins de ciboulette. Que demande le peuple, gros? Pas équilibré, ça. Voilà. Et voilà. Et voilà, on y est. Hein? Je sens que ça va être une tuerie. Alors, je vais goûter. Franchement, hâte. Bah, cette fraîcheur. Bah, mais tu as capté, hein. Le ceviche, l'avocat, la gaufre. Franchement, on sent pas trop c'est la patate douce, on sent une gaufre. Je kiffe. Tu sais quoi? C'est validé. Voilà. Encore une recette que j'ai fait comme ça, que j'ai fait pour mes abonnés. Hein. Très facile. C'est un kiff à faire un dimanche matin. Hein. Franchement, ça, je le prends au petit déjeuner, frérot. Ah, je te jure. Bon, tu sais quoi? Je donne rendez-vous à mardi prochain. Je te fais un gros bisou. Je suis encore pressé. Je pars. N'oublie pas mon Insta, mon Facebook et mon YouTube. Roulio, Cui, Sto. De partout. Je te fais des gros bisous.